Allez, c'est parti. On est sur la galaxie du rôle gratuit. On va appeler la galaxie satanique. J'ai eu quoi là? Attends, je mongolise. Je vais pas avec un négatron, c'est pas fou. Donc bon. Mince. C'est vrai, Kalas? Marrant ça. Ok, on est prêt. J'ai fini de manger. Ce coup-ci, on est bon. Allez, let's go. C'est une bonne mat pour jouer Maître Yi, ça je reconnais ça. Du coup, on a le rôle gratuit, je disais. Ah, c'est délicat l'early game, comme ça, quand t'as pas de gold. Je pense que je vais pas acheter les TF. On a 3 Caitlyn. Bon, j'avais acheté les Caitlyn en vrai. J'espère que je vais avoir des golds, sinon c'est chiant quoi. Alors, tu dis, je me suis fait mal voir car j'ai mangé tout le couscous mais pas le mouton. Ah, c'est dégueu le mouton. J'aime bien l'agneau hein. Mais le mouton c'est fort, je trouve. Ah non. Quand c'est bébé, c'est quand même bien meilleur. Hein. Bouche les oreilles, Gigi Kids. Bon, j'ai vendu le Jarvan, je sais pas trop, mais bon. On verra bien. Ça me saoule de prendre la Caitlyn. Deux Darius. J'ai pas pris les Graves. Ouais. J'aurais presque envie de jouer Maître Yi, mais bon. Ah, désolé sur Slam. Désolé, désolé. Ah, ça arrive, mais. C'était quoi ton pseudo, du coup? Oui, bah oui, j'imagine. Un arc serait cool. Oh, Z, Kog'Maw. J'aurais pu acheter les Darius. J'étais un peu lent. Ah, ouais, du coup, là, j'ai quand même eu. On a quand même eu des belles choses, là, quand même. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pas ce que je comptais jouer à la base, les copings. On a eu des belles choses qui viennent de sortir là quand même, il faut l'avouer là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, ça dégage. Est-ce qu'on push là? J'ai push, je vais faire mon rôle gratuit. Mort de Kaiser. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Oh, j'ai push, c'était pas mémorable ce push, hein, j'avoue. Hein. C'est pas un push qui reste dans les annales, quoi, pour le coup. Ah, je vais perdre ou quoi là? Ah, je vais vraiment perdre alors que j'ai push là. Mais il a... Ouais, il a beaucoup d'upgrades, j'avoue. Je sais pas. Ouais, si je perds. Hein. Ah, terrible. Le début de game est catastrophique là. Alors, le gratuit, c'est. En fait, tu peux avoir des maps aléatoires avec des. Des maps à thème, on va dire. Et là on est tombé sur la map du rôle gratuit. Je réfléchis hein, mais ça me paraît. Ça me paraît délicat de jouer sur les Blade Master là avec ce que j'ai comme sortir. Ouais. Je pense pas qu'on va y jouer 6 Blade Master là. C'était cool la Corse, ouais c'est super bien. Balkany 92. Très bon choix de département du coup dans le pseudo. Effectivement. Alors. Je sais pas ce que je vais jouer. J'ai quoi? J'ai Gantlet, Négatron. Genre, c'est dur de choisir dans cette game ce qu'on va jouer pour le coup. C'est pas évident. Ah si, Balkany 92. Voilà, rue Chaptal, c'était mon petit chez moi, tu sais. J'ai re-Anxil, bon je vais pas jouer ça c'est sûr.
J'ai rentré ma hache et ma hache. Et là, faut que je pré-push. Je crois pas jouer ça, je pense. Ok. Je sais pas ce que je vais jouer encore, mais bon. On va voir. Il a quoi? Il a aussi comme moi. Après, lui, il a pas d'item non plus équipé. Après, ouais, je pense qu'on gagne le fight, je pense ici. Hein. Après, la Syndra elle se fait pas focus et elle va dodge. La Syndra elle est en train de tout dodge là quand même. Hein. Elle va pas se prendre l'ulti. Ah si, elle s'est quand même pris l'ulti de Caitlyn, ça va. Heureusement. Sinon, c'était chaud, ouais. C'était tendu du cul sinon. Quand même, acheter ça pour le plaisir. 101 en 2 semaines. Fais gaffe, j'ai vu que la Grèce ça serrait les vis sur le Covid, attention. Hein. Je vais pas te mettre la pression, mais. J'ai vu que ça. Comment dire? J'ai vu que ça serrait la vis et que. Attention, hein. À tout moment, ça ferme tous les bars. Hein. Et je suis sûr que sans Taurin, sans les bars, c'est moins bien, franchement. Non, ça va le faire, je pense. Mais non, ça va le faire, t'inquiète. Non, mais je voulais pas te mettre la pression. Ça va bien se passer. Ok, du coup, j'ai Gantlet Négatron, moi, c'est ça? Sûr que ça va bien se passer, mec, t'inquiète. Bon, c'est forcément armure, hein. Reconfinement vers le 15 août, si on avait pas de bête, ça. Bon, y aura pas de reconfinement complet, en tout cas. Impossible. Ouais, mais j'ai l'air 33. Comment on peut apporter du crédit à ce que tu dis? C'est comme tous les mecs qui disaient, mon pote est militaire et tout. Il nous a annoncé... couvre-feu à partir de 19h et tout. Genre c'est trop burlesque sur internet ce genre de phrase. Peut-être jouer mecha, hein. Oh, ça parle dans tous les sens cette game quoi. Je pense que je joue Xin. Alors. Donc il serait déjà en Slovénie. Moi j'aborde pas de crédit à cette thèse, désolé. Aussi sympathique puisses-tu être. Alors. Qui en fait ça? Alors. Oh oui, d'accord, j'ai un 33, mais. Je pense que soit. Il se moque de toi, soit. Soit il se moque de toi. Soit c'est pas arrivé, tu vois, mais. Ah, j'ai 2 victoires, sa merde. Alors. Ok, t'as raison, t'en fais comment? On fait un feu d'artifice, Drago, du coup. J'ai Jace et Wukong aussi, mais bon. Je vais rester comme ça pour l'instant, je pense. En espérant garder la. Je peux jouer Mecha, je pense, mais bon. Ça me paraît chaud de commit les items. Ça joue surtout sur Fizz, le Mecha. Hein. C'est vraiment le truc clutch, c'est Fizz. Hein, pour jouer Mecha. Alors. Oui, non, mais évidemment que c'est des conneries. Évidemment. Mais j'essaie de le dire poliment parce qu'il est sympa, j'ai l'air 33, mais. J'essaye de. Ah, et merci beaucoup, Jandor. Jandor qui réoff 5 subs. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Merci. Ah, Jandor Kellob. Le goût, le goût, le goût. Merci beaucoup, Jandor. Pour la victoire, il a dit. Oh là là. Merci beaucoup. Le Jandor, quoi. Le goût, le goût, le goût. Alors. Ah, Jandor, c'est la famille, hein. Ah, ça aussi c'est la famille, ça. Incroyable. Alors, attends, j'arrive, Tito, 2 secondes. Je vais répondre à ta question, mais. T'as vraiment des idées avec ces crabes dans la game, quoi. Heureusement qu'on va jouer mecha limite, quoi. Ah, j'ai des bons items mecha par contre, hein. C'est la chatte totale et radicale, ça je reconnais ça. Alors, y a des gens en or sur ce chat.
Alors, d'un gros sniper, il faut du stuff. Bon, tout est en priorité Jhin, Teemo et Gnar, quoi. En gros, je pense. Voilà. Tout simplement. Triple Xayah, super. Bon, je pense qu'on essaie de terminer par étincelle ionique, hein. On est bien. Bien comme ça, le stuff. C'est un bon petit stuff, ça. Alors. Voyons voir. Alors. Ok. On est pas mal là quand même, je pense, hein. C'est qu'on est pas mal. Ok. Oh, j'ai deux victoires, deux fils, please, quoi. Oh, mais dis-moi d'où. Alors. Ta-ta-ta. Sympa. Ah, la Karma 2 là régal, hein, quand même, hein. Peut-être rentrer un filtre plutôt quand même, hein. Non, en vrai c'est mieux Ashkatin, je pense. En fait j'ai pas encore Annie Rumble, quoi. C'est un peu couillon, mais pour le coup on va voir, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Alors Ok. Ok. En vrai, je me concentre parce que j'avais top 1 en premier. Si j'en fais un top 1, je suis vraiment bien pour gagner le tournoi. Voilà. Je suis full focus là. The Reflex. Le problème, c'est qu'on a. Bon, après, tout le monde a une économie pas ouf. Enfin, lui, il a de l'économie, mais il a 43 PV. Donc, bon. J'ai envie de dire. Rumble. Ah, un truc Rumble et Annie. Nice, c'est bon ça. El Famoso Rumble et Annie. Donc on fait ça. Ça. Ça, ça. Ça, ça. Très bien ça, non? Ah, c'est bien ça. Et on sort à Kanex level. Eh, que demande le peuple? Franchement. Ok, on touche plus à rien. Il y a de quoi le vainqueur du tournoi? Alors, tous les jeudis, il y a un bundle clavier et souris à Horus à gagner. Et tu peux pas, attention. Plus une qualification pour la finale saisonnière qui a lieu le 27 août avec 800 euros de cash prize. Voilà. Tout simplement. Rien que ça. Allez, je gagne là, ouais, je pense. Non, il y a no way. Oh, il va me battre. Je vais mourir. Oh, tuez-moi, pitié. Oh non, non. Putain, mais non, mais terrible. T'as mes KO 3.3 et je perds, mais tuez-moi, quoi. Et je suis quand même la speak du coup, super, quoi. Formidable, quoi. Les mecs, je veux participer. N'importe qui veut participer. C'est ouvert à tous. Sauf aux Anglais, évidemment. Parce que les Anglais sont les ennemis de la République. Pas du tout. Pas du tout. Du stuff chaco du coup. Allez. Bon, fou, mais bon. Moi je joue les baguettes. Tiens. Mais j'ai bien compris que je l'aurais pas. Quand en fait pour la qualif saisonnière, le fait de gagner votre tournoi, ça qualifie au qualif. Bah, si tu gagnes le tournoi, t'es qualifié à la finale saisonnière. Voilà. Tout simplement. Je saurais pas l'expliquer plus simplement, j'avoue. Bon, je vais pas péter Chaco, hein. On va attendre. On va attendre. Ça vient en Deathblade Chaco, je le sens, cette histoire. Mais péter Chaco, c'est pas fou, quoi. Les flamands aussi. Même les flamands. Même les flamands. Évidemment. Euh...
Alors. Y'a Xay à 3 quand même, hein. Y'a Shaco dessus, mais. Shaco il s'en pâle sa mère là. Ah, il va quand même pas me diquer tout le. C'est bon, il a qu'un item dessus. Oh non! Non! Oh les deux fights que je viens de perdre quoi. Ah, tuez-moi, pitié. Non, non, Kiwi. Fais point d'exclamation tournoi et lis les infos. Ce sera plus simple. On en parle de ce fight ou pas? Désolé, les talks. Oh, c'est pas grave, hein. Je m'en remettrai, hein. Je m'en remettrai. Ah, on s'en remettra, mais c'est vrai que c'est un coup de couteau de m'avoir battu ici, hein. C'est un poignard que tu m'as planté. C'est un poignard. Alors après il y a un Nocturne 3, ah oui c'est vrai que c'est un bureau gratuit, c'est vrai. Effectivement vu comme ça. En vrai ça fait trop bizarre de jouer à TFT sans y avoir joué pendant 10 jours en vrai. Genre déjà ma souris je sens, j'ai plus une très bonne maîtrise de la souris là, je le sens là. Déjà. Je t'en prie Kiwi. Je t'en prie. Alors. Alors attendez, il se passe quoi là? Ah, excellent! Ah, Jin, on s'en fout. Hein. Ah, il y avait. Non, j'ai oublié d'acheter Hane. Hane. J'ai acheté Hane du coup. Très bien. Non, vas-y, on va rester comme ça pour l'instant. Hein. On va rester comme ça. Excellent. Bon, idéalement, baguette. Comme ça, je fais étincelle ionique sur le mecha. Tir, c'est bien. Ah, double tir, c'est excellent. Non, par contre, la fin des items était pas ouf. Mais le début était insane, par contre. Ah, un ou deux rôles ou pas? Karma est déjà deux en vrai. Ouais, on est bien là, non? L'entrée bardo del fu- el bardo del fuego. Pfff. Oh, on peut faire ça quand même, si. Ah, si, hein. Bah, je peux faire Darkstar, c'est sûr. Ça finit en Yoshako cette histoire, je reconnais ça. Hein. C'est pas ce que je préfère, mais bon, on va partir là-dessus, hein, je pense. Hein. Tranquille. Et là, je peux jouer ça. Et là, on le chill, on passe 8. Hein. Dès qu'on peut, on rentre une Soraka à la place de Bardo et le Fuego. Passer à. Augmente les stats du mecha. Ouais, ouais, absolument, tout à fait. Plus t'as les persos qui sont hauts, plus les stats du mecha augmentent. Donc, c'est pas intéressant de faire le mecha 3. Les persos 3, parce que ça a été beaucoup nerf, mais à l'époque, on jouait le mecha tout level 3, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, je suis d'accord, j'ai l'art en 3, c'est parce que t'as dit aussi. Hein. T'as dit à partir du 15 août, c'est confinement pour tout le monde. T'as dit c'est confinement à partir du 15 août. Après, j'apprécie le rétro-pédalage, mais. Ça rétro-pédale plus encore que. Que le gouvernement Manuel Valls. Alors, voyons voir. Alors, non, mais t'as dit qu'ils annulaient les vacances des médecins et les infirmiers. Or, moi je connais les infirmiers qui ont pas leurs vacances annulées. Mia en l'occurrence. C'est juste que tu fais des généralités quand tu parles. Simplement. Alors. Sauf gangréner le chat. Ah, nice. En plus, on est pas XP impair, c'est bon signe. Tac. Mais c'est vrai qu'au pire, on s'en tape. Hein. Voyons voir. Alors. Quand ils internent, pourtant elle est en vacances sans moi. Alors. Je pense que j'ai l'air 33. Je pense que les petites vacances te feraient du bien. T'as l'air tendu, hein, pour le coup. T'as l'air tendu comme une crampe. Un interne en vacances, ça n'existe pas. C'est pas faux ça.
Alors, si jamais la ronde 3 est déjà prête, hein. Voilà, quand vous aurez fini, vous pourrez enchaîner, si vous m'écoutez, vous faites le tournoi, vous pourrez enchaîner sur la ronde 3 qui est déjà prête. Là, tous les matchs de la ronde 2 ont été lancés. Et on a déjà la poule 3. Voilà. Alors. Ah, moi, qu'est-ce que je veux là, moi? Ah, ouais, quand même un truc sympathique là, quand même. Ah non, ma spatoule! Minus spatula! Da! Est-ce que je prends l'armure ou je prends l'épée? Y'a déjà un mort, jeune capté. Pas prendre le Xerath, c'est sûr. J'ai pas envie de faire. Allez, je prends de l'armure, vas-y, on verra. On verra, on verra, on verra. Ah, ça c'est bien ça. Moi, je joue pas les level 3. Hein. Je pourrais passer 8. Non, je chill, je suis bien moi là. En fait, j'ai tout upgrade en fait. C'est insane quoi. Juste, je vais essayer de faire peut-être Victor 3 pour le plaisir et la beauté du geste quoi. Mais bon, par ça. On va voir ce qu'on rentre derrière, mais. On va voir après. Alors. Je viens le top 1 avec I2. Ah! En vrai, je pense que s'il a le save parfait et que t'as bien snowball, c'est possible de top 1 avec I2, je pense, à mon avis. Pour le coup. Effectivement. Attends, la deuxième vague, la game se passe super bien et c'est le principal. Ouais, j'irai pas jusque là, mais. J'irai pas jusque là. C'est vrai que la game se passe super bien, par contre, effectivement. On peut le dire. En tout cas, dans le tout, j'ai quand même anticipé. Je vais acheter. Je vais acheter plein de farine dans le doute. Non, parce que les 4 jours où je me suis retrouvé sans farine pendant le confinement, je voulais mourir quoi. Oh là là. C'était terrible quoi. On est bien là en vrai. Si on fait top 1, ça fait 2 top 1 d'affilée quand même. Non, le PQ ça va parce que. Être en rupture de stock de PQ, c'est pas grave en vrai. Genre, il y a plein de pays dans le monde. Genre, tous les pays arabes et tous les pays d'Asie, ils utilisent pas de papier toilette quoi. Genre, je peux très bien te laver dans ta douche quoi, tu vois. Au pire, c'est pas vital quoi, je veux dire, le papier toilette. Genre comme dans tous les pays, plein de pays du monde qui utilisent pas le papier toilette quoi, je veux dire. Mais bon, après j'avoue que c'est plus confortable quand on a l'habitude, mais bon. Moi je préfère avoir de la farine que du PQ perso. Hein. Si jamais on est reconfiné un jour. La farine ça me paraît beaucoup plus worse quoi perso. C'était de ouf cette game. Ouais, j'ai une grosse sortie là. J'ai l'air qu'ils ont un bidet dans la plupart de ces pays, mais bon. Est-ce que je fais double titan? Ah ouais, ouais, double titan là, c'est parti. Hein. Ah, c'est parti là, wesh! Wesh! Alors. Qu'est-ce qu'on rentre là? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on rentre? Deuxième Victor? Non, quand même pas sûr. Attends, je peux jouer Rob. Waouh, c'est pas tu le rebelle quoi. Le bidet c'est bis. Je sais pas ouais. Tu fais quand même hein. Je vais quand même pas faire des... Je vais pas faire prototype, on s'en branle là, on va faire ça, vas-y. C'est parti hein. Ok, pour l'instant là ça, pour l'instant. Mais je pense que le mecha est ultra fort, après là le. Je vois bien le Jin défoncer mon mecha quand même. Hein. Ouais, Jin ça détruit mecha. Hein. Oh Jin contre mecha c'est super super méga turbo OP quoi je trouve. Après je me suis préparé plein. J'ai plein d'items qui manquent du coup. Démolisseur. Comment ça, mais ça n'existe plus la spatule démolisseur, vous savez. Hein. Pourquoi pas Brumble? Parce que Titan c'est plus fort. Après, contre le Jin, Brumble aurait été plus fort. Mais là, je cherche un GP là. Pff, ça apporte rien tout ça, on est d'accord. Hein. Bon, c'est Janna qui rentre du coup pour l'instant. J'ai pas envie de descendre trop bas en gold en vrai. J'ai envie de rester quand même haut.
Et passer 9. Là je passe 9 je pense ici. Je pense qu'à partir de là on passe level 9. Et on chope Victor 3 si possible. Dans quelles conditions Titan est plus fort que Brumble? Sur mecha. Sur mecha double Titan USS ça m'allait être le mieux hein. Ça, en fait il fait beaucoup beaucoup de dégâts Titan avec double... le mecha avec double Titan. C'est insane les dégâts qu'il fait. Globalement. Et je suis pas ultra fan de Brumble de manière générale comme item. Donc bon. Alors... Alors... Bon on va rester comme ça pour l'instant, je vais essayer de faire un truc avec la spatule, on verra ce qu'on fait hein. Donc bon. Carré sur mecha avec deux titans c'est worse. C'est ce que je me dis aussi. Effectivement, je pense que Karma Mecha c'est meilleur. Ouais, je vais essayer de faire fun, je pense, de toute façon là. De toute façon, je vais pas faire rebelle de toute façon donc. Ça va certainement se finir sur une Force of Nature cette histoire. Très clairement. Y'a moyen. Après là, il faudrait se soirer à 2. Là, on va passer 9 peinards, de toute façon. On va passer 9 et tranquille le Emile. Spat Star Guardian, tu peux. Oui, c'est une possibilité, tout à fait, mais bon. C'est une possibilité à ne pas s'écarter, je dirais, n'est-ce pas? Une troisième titan. Bon, Shroud était le plus OP, je pense. Je vais faire ce rebelle. Ah, oh, mais non, mais putain. Oh, go, Annika. Faudrait Z à la place de Shaco, du coup. En plus j'ai deny lui qui joue rebelle en plus. On n'arrête pas le progrès franchement. On n'arrête pas le progrès. Ouais on met Zix, bah voilà, parfait. Exactement ce que j'ai prévu. Incroyable. Machin peut-être pas du... On va chill encore, on va chill hein. C'est deny. Le deny de génie, comme on dit chez moi. T'as mis Karma sur Soraka. Elle est sur le mecha là, non? Ou c'est un 50-50? Elle est sur Raka, effectivement. Ou alors c'est un 50-50 éventuellement. Ah mince. Flûte. Bah en fait, il faudrait Aurélion surtout. Là, il faudrait Aurélion et GP. Comme ça, on vire Ziggs quand même, parce que bon, faut pas déconner quoi. C'est vrai, quand t'as Aurélion de Spat Rebelle, c'est turbo OP quand même. En tout cas pour l'instant on survole le tournoi j'ai envie de dire les amis hein. On survole le tournoi pour l'instant. Ouais ça on passe 9 on met Aurélien GP. Janelle entre pas du coup. On n'est pas de 6 Vanguard de toute façon. Le mecha peut prendre rebelle ou un filtre le mecha est un filtre par définition avec Fizz. Donc ouais il prend un filtre mais il saute pas par contre. Mais il a l'attaque speed en plus. Et le... comment dire. Et le mecha peut avoir rebelle aussi bien sûr. Tout à fait. Alors, voyons voir. C'est le Jin qui me défonce. Hein. Lui, il me bat depuis tout à l'heure. Hein. Contre lui, Brumble aurait été turbo OP par contre. Hein. Contre lui, Brumble serait. Après, il a 0 gold. Je vais passer 9 avec 50 gold. Bon, je me sens bien quand même. Hein. On a Raka 2 qui tombe. Oh, full item. Je connais mieux par contre. Remarque, ça fait double cœur gelé GP. En fait, j'ai pas de stuff pour Victor, ça fait chier. Camarade Victor, da. Y'a folle. On va voir ce qu'on joue. On bougera Karma après. On va la monter, je pense, du coup. Ça fait chier. Mais quand il y en a encore, ça défonce tout le monde. Bah, ça fait du bien le repos aussi, des fois. Ah, bah, double Victor dans le booster qui fait Victor 3. Nice. Ta 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 ta. Après, j'ai full chat dans cette game en vrai. La game d'avant aussi, j'étais full chat déjà. En vrai, j'ai accumulé plein de chat pendant les vacances. Enfin. On se comprend quoi. On se comprend.
c'est bien. Bah nickel hein. Ah dans le Betrayal 3 là, ça va pas le faire hein, ça va pas le faire. Dommage, il était bien lui hein. Il était en train de défoncer tout le monde, mais il est tombé contre le terrible Talk. Appelez-moi Iron Man hein. Le cousin d'Iron Man. Défense pas toute ta chaîne pour les Worlds, c'est vrai. J'avoue. Je regardais un peu quand même. Mais c'est vrai qu'elle est quand même bien fournie là, j'avoue, dans cette game. Hein. Pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait faire ça du coup, nous. Effectivement. Bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'avais oublié la karma, c'est vrai. Bah c'est ce qu'on appelle une game de qualité quoi, il faut le dire. Hein. Faut le dire. Il y a quand même Jinx 3 en face, hein. Faut se méfier quand même de la Jinx 3. Il faut se méfier, alors là le hook va sur Aurélien, c'est parfait. Après j'ai Victor 3 quand même hein. Bon j'ai pas à faire un bon ulti. En fait le Victor a pas touché la Jinx. Il y a peut-être un monde où je perds là hein. Ça, si Victor ne touche pas la Jinx je peux perdre. Bon je passe ce joueur de le joueur de Jhin. Donc on est top 2 déjà, c'est pas mal. Ce serait dommage de pas top 1 sur celle-là quand même hein. Je swap maintenant. Ouais je pense. J'ai peut-être pas du lock ici quand même. Merde j'ai 4 rebelles du coup mais... En termes de placement c'était mieux. Ouais je pense que c'est ok, on s'en fout de rebelle hein, c'est un Victor 3. Il one shot en fait il ulti. Ok il a pas eu la Jinx. Mais il va re-ulti instant et il a la Jinx, ok fini. Ouais ok nice. Ah j'ai pas l'étal par contre, fuck. Ouais Karma sur Victor c'est mieux hein, c'est Victor le clutch. Attends j'ai un vêture de géant mais c'est peut-être mieux ce rot. J'ai Darkstar non? Ouais je peux faire Darkstar sur ouais est-ce que c'est vraiment important d'avoir Darkstar encore là? Non c'était nul en vrai. C'était... Oh, oh nice. En fait ça rentre une synergie de plus c'est rigolo. Et franchement il manque que la spatule prototype et on est bon. Super cette game hein. Je t'entends dans les haut-parleurs de la voiture c'est incroyable. Ah Anaïs qui anime le tournoi en allant chercher du McDrive hein, quand même. Hein. Après vous pouvez enchaîner, la round 3 est prête déjà. Hein, si vous voulez. Bon j'ai boosté Soraka avec Karma mais à ce stade de la game ça se joue au placement plutôt. Ok normalement il est parfait le Victor là. Il ulti la Jinx on est d'accord. GP a fait un ulti instant. Et il ulti pas la Jinx, là, il passe juste à côté ce con. Bon je gagne quand même je pense. Hein. Voilà c'est trop là. Là il y a juste trop en fait chez moi là. Bon bah double top 1 hein. Yes.